Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la disparition de Granger Taylor, l'astronaute de l'île de Vancouver. Granger Taylor est la plus mystérieuse disparition des années 1980. C'est l'un des plus grands mystères de l'île de Vancouver. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander un petit service d'aller vous abonner sur la chaîne de l'INI 911. Il faudrait qu'elle ait les 1000 abonnés. Merci beaucoup de votre aide. Granger Ormond Taylor est né le 7 octobre 1948 dans la ville forestière et de pêche de Duncan, en Colombie-Britannique, située sur la côte sud-est de l'île de Vancouver, à mi-chemin entre Victoria et Nanaimo. Son père biologique est décédé alors qu'il était bébé, après s'être noyé dans le nord-ouest du lac Horn, pendant des vacances dans la cabane familiale. Quand il avait 2 ans, la mère de Granger, Grace, a épousé un veuf nommé Jim Taylor, qui avait ses propres enfants. Granger passerait ses premières années à grandir avec ses 7 frères et sœurs, dont 3 frères et sœurs biologiques, 3 demi-frères et 1 demi-sœur. Dès son plus jeune âge, il est devenu clair pour Monsieur et Madame Taylor que Granger était un enfant inhabituel. Il était renfermé et socialement maladroit. Mais ce qui lui manquait en compétences sociales, il le compensait largement par une aptitude et un appétit extraordinaire pour la mécanique. Granger a passé une grande partie de son enfance seul, dans sa chambre, démontant des gadgets jouets dans le but de comprendre leur fonctionnement interne. En dépit d'être extrêmement brillant, Granger a montré peu d'intérêt pour ses études et a abandonné l'école après avoir terminé la 8e année. Il a commencé à travailler comme apprenti pour son voisin, un mécanicien automobile, et a absorbé avec empressement toutes les connaissances que l'ancien commençait à lui apprendre. Après seulement 1 an d'apprentissage, Granger a décidé qu'il avait acquis toutes les compétences nécessaires pour se lancer seul. Il s'est installé sur la propriété forestière de ses parents et a commencé à bricoler ses propres projets non conventionnels, dont il vendrait plusieurs d'entre eux à des collectionneurs ou au gouvernement provincial pour des sommes d'argent impressionnantes. Il est vite devenu évident que Granger Taylor avait trouvé sa vocation. À l'âge de 14 ans, il a construit une automobile monocylindre qui est maintenant exposée au BC Forest Discovery Centre de Duncan. 3 ans plus tard, il a reconstruit un bulldozer abandonné que les mécaniciens lourds professionnels avaient rejeté comme irrécupérable. Au début de la vingtaine, il a décidé de ressusciter une locomotive à vapeur abandonnée, qu'il a trouvée rouillée dans la forêt tropicale, avec des aulnes poussant à travers le châssis. Il a fallu 2 ans à Granger pour remettre le train en parfait état de marche. Après quoi, il a posé des rails et à travers le jardin de ses parents et a commencé à emmener les enfants du quartier faire des promenades, son atelier étant devenu une sorte d'attraction locale. Il semblait qu'il n'y avait pas de mystère mécanique trop intimidant pour Granger. Aucune énigme cinétique qu'il ne pouvait vaincre. Le soir du nouvel an 1969, environ 6 mois après que Granger eut fini de transporter le dernier morceau de son train rouillé sur la propriété de ses parents, quelque chose d'étrange se produisit à l'hôpital du district, pas trop loin de la maison de Granger. Vers 5 heures du matin, alors qu'elle s'occupait des patients, 4 infirmières travaillant de nuit auraient vu une soucoupe volante silencieuse et brillamment éclairée planer à l'extérieur de la fenêtre à environ 3 étages du sol, près du service des enfants. Doreen Kendall, la première infirmière à observer l'objet, a affirmé avoir vu 2 pilotes humanoïdes debout dans le cockpit de l'engin, à travers sa fenêtre transparente. Les infirmières ont regardé avec étonnement l'engin dériver derrière un bosquet d'arbres, avant de filer dans le ciel nocturne comme une étoile filante. Plus tard dans la matinée, et tout au long de la nuit suivante, des citoyens de partout, à Duncan et dans les environs, y compris une poignée d'enseignants du primaire et un pilote du Royal Canadian Naval Air Service, ont présenté des rapports d'un ovni, d'apparence similaire repéré à travers la région.
Pendant des mois après les incidents, les soucoupes volantes et les visiteurs de l'espace ont fait parler d'eux dans le sud-ouest de l'île de Vancouver. Il semble probable que Granger Taylor ait été mordu par le même virus OVNI qui avait frappé tant de compatriotes insulaires au début des années 1970. Peu de temps après avoir appliqué la touche finale à sa locomotive vapeur, il a apparemment développé un intérêt pour la dynamique du transport aérien, obtenant sa licence de pilote et commençant des travaux de restauration sur un avion de chasse Kitty Hawk de la Seconde Guerre mondiale, mis au rebut, qu'il vendrait éventuellement à un collectionneur privé pour 20 000 $. À la fin des années 1970, Granger s'était lassé de la mécanique conventionnelle, qui ne semblait plus le défier. Au lieu de cela, il tourna son attention vers la plus grande question aéronautique de toutes, la propulsion des soucoupes volantes. Aucun ingénieur sur Terre n'avait encore été capable de concevoir un moteur qui pourrait permettre à un énorme disque métallique de manœuvrer aussi étroitement, rapidement et silencieusement dans les airs que les soucoupes volantes décrites par les témoins d'OVNI. Granger Taylor a décidé de s'attaquer à cette énigme qui avait apparemment dérouté les esprits les plus brillants de l'aérospatial militaire et de commencer son magnum opus, la construction d'une soucoupe volante réelle. Granger Taylor a commencé sa quête en construisant un bureau privé de la même taille et de la même forme que l'OVNI par excellence. Aidé des enfants et adolescents qui venaient souvent le voir travailler, il récupère deux antennes paraboliques de la tour radio de la décharge locale et construit un bâtiment cylindrique au bord du jardin de ses parents, qu'il érige sur pilotis. Après avoir décoré les côtés de la structure métallique avec un dessin d'éclair et une fenêtre en forme de porc, il a équipé son OVNI d'un poêle à bois en fonte, d'un canapé et d'une télévision. Enfin, Granger a garni sa nouvelle étude de romans de science-fiction et de livres pseudo-scientifiques sur les ovnis destinés à stimuler son ingéniosité. Son bureau terminé, le génie de la mécanique s'accroupit avec ses livres et ses notes et commença à réfléchir à la question de la propulsion des ovnis. Tout au long de 1979 et 1980, Granger a passé une grande partie de son temps seul dans son ovni de jardin, assis dans une contemplation silencieuse ou parcourant ses nombreux livres. Puis, après plusieurs mois de profonde réflexion, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Une nuit, alors qu'il était allongé dans son lit, Granger aurait été contacté par des extraterrestres. Selon Robert Keller, un adolescent que Granger avait pris sous son aile est l'une des rares personnes avec qui il a partagé son incroyable expérience. Granger a expliqué que des êtres de l'au-delà de notre système solaire s'étaient présentés à lui, par télépathie. Dans les mois précédant l'incident, le machiniste avait tenté de contacter des extraterrestres via une sorte de radio qu'il avait imaginée. Peut-être, supposa-t-il, sa volonté de communiquer était-ce qui avait poussé les extraterrestres à le choisir. Granger continuerait à avoir plusieurs autres conversations télépathiques présumées avec les extraterrestres. Au cours de ces incidents, il a posé à plusieurs reprises aux extraterrestres des questions sur la source de propulsion de leur véhicule en forme de soucoupe. Mais tout ce qu'ils ont divulgué, c'est que le secret avait quelque chose à voir avec le magnétisme. En octobre 1980, Granger, ravi, confia à Keller et à un autre ami nommé Bob Nielsen que les extraterrestres l'avaient invité à un voyage à travers la Voie lactée. Ses jeunes amis ne pouvaient pas entièrement croire l'histoire de Granger, soupçonnant que le génie excentrique avait simplement vécu un rêve étrange ou une sorte d'hallucination, mais ne pouvaient pas non plus entièrement l'ignorer. Si une intelligence extraterrestre devait contacter quelqu'un sur Terre, ils croyaient que Granger serait sans doute leur premier choix. Malgré leur demande, Granger a refusé d'emmener ses amis, impatients avec lui, lors de son prochain voyage interstellaire, affirmant qu'il avait trop à laisser sur Terre. Il a révélé que les extraterrestres prévoyaient de venir le chercher une nuit pluvieuse, afin que le grand public ne voie pas leur vaisseau spatial. Environ un mois plus tard, le 29 novembre 1980,
la ville de Duncan a été secouée par ce que les journaux ont surnommé la tempête du siècle. Des tonnerres, des éclairs, des pluies torrentielles et des vents violents se sont abattus sur la ville, déracinant des arbres et abattant des lignes électriques. À 18h ce soir-là, juste avant le pic de la tempête, Granger Taylor a rendu visite au Bob Grill, l'un de ses repères préférés. La serveuse qui lui servait son repas remarqua que Granger portait sa tenue habituelle, composée d'un jean, des bottes de bûcheron et d'un pull en tricot marron. Il n'avait pas de manteau avec lui et était manifestement mal préparé à la tempête imminente. À 6h30, Granger, 32 ans, a payé sa facture, a quitté le restaurant et est parti dans son camion Dansen bleu clair de 1972. Il n'a jamais été revu. Le lendemain, alors que les habitants de Duncan étaient occupés à nettoyer leur route et leur allée, des arbres tombés et des débris emportés par le vent, les parents de Granger ont découvert que leur fils avait disparu. Jim Taylor a trouvé la dernière lettre de son fils accrochée à sa porte et celle de Grace. Cette lettre disait « Chère mère et père, je suis parti marcher à bord d'un vaisseau extraterrestre, car des rêves récurrents assuraient un voyage interstellaire de 42 mois pour explorer le vaste univers, puis revenir. Je vous laisse tous mes biens, car je n'en ai plus besoin. Veuillez utiliser les instructions de mon testament comme guide pour vous aider. Je vous aime, Grangers. » Au verso de cette note se trouvait une carte dessinée à la main, que certains ont interprété comme une représentation de Waterloo Mountain, située à environ 15 km au sud-ouest de la maison des Taylor. Jim Taylor et ses fils ont cherché partout Granger's, inspectant les hôpitaux et conduisant sur des routes forestières isolées dans l'espoir de trouver des indices sur les allées et venues du génie excentrique. Malgré tous leurs efforts, ils ne trouvèrent aucune trace, ni de lui, ni de son camion bleu, Dassen. Les mois se sont transformés en années, mais le destin de Granger Taylor est resté aussi mystérieux qu'il avait été ce matin fatidique du 30 novembre 1980. Le 29 juin 1983, la date prévue du retour de Granger de son voyage à travers le cosmos, le demi-frère de Granger, Douglas Taylor, qui travaillait pour la garde côtière canadienne, à l'époque, s'est assis pendant la moitié de la nuit sur le pont de son patrouilleur, scrutant le ciel nocturne à la recherche de tout signe de Granger et de son vaisseau spatial extraterrestre. Son cœur était lourd lorsqu'il se rendit compte que Granger ne s'était pas présenté et n'était pas revenu. En avril 1986, 6 ans après la disparition de Granger, une équipe de travaux municipaux a découvert un cratère artificiel de plusieurs mètres de diamètre, au large de Mountain Prevost Road, sur les pentes du mont Prevost ou du nord-est de Sticker Mountain, qui surplombe tous les deux le nord-ouest de Duncan. Dispersés à proximité du cratère se trouvaient des fragments rouillés et décolorés de ce qui semblait avoir été autrefois un camion. La Gendarmerie royale du Canada, locale, a par la suite enquêté sur les lieux et découvert deux fragments de ce qui s'est avéré être des os humains. De nombreux habitants de Duncan, y compris la police et plusieurs membres de la famille de Granger, pensaient que ces os constituaient les derniers restes de Granger Taylor. Comme le profilage génétique en était à ses débuts à l'époque et n'était pas disponible pour la gendarmerie sur l'île de Vancouver, ce soupçon n'a jamais été définitivement confirmé ou réfuté. À la suite de la découverte qui donne à réfléchir, un certain nombre de théories ont été avancées concernant les derniers moments de Granger. Beaucoup pensaient que dans la nuit du 29 novembre 1980, Granger avait emballé dans son camion plein de dynamite, qu'il utilisait pour enlever les souches d'arbres, conduit dans le désert, et s'était délibérément ou accidentellement fait exploser lui-même et son véhicule en miettes. Certains pensaient que l'incapacité de Granger à résoudre le mystère de la propulsion des soucoupes volantes l'avait rongé pendant de longues heures d'isolement auto-imposé qui caractérisait ses derniers mois. Incapable de faire face à son échec, il partit avec l'intention, concoctant le récit de son voyage interstellaire dans le but d'apaiser la douleur des amis et de la famille qu'il laisserait derrière lui. Certains de ceux qui le connaissaient le mieux
cependant, était catégorique sur le fait que Granger Stellor n'ait pas pu se faire de mal. Si malheureusement le camion a explosé, pour eux, c'est un accident. Peut-être avait-il apporté de la dynamite dans le désert avec l'intention de l'utiliser d'une manière ou d'une autre pour informer les astronautes extraterrestres de sa localisation, ou pour faciliter d'une manière ou d'une autre son voyage dans l'espace. Par un terrible accident, les explosifs avaient explosé prématurément. D'autres encore, cependant, y compris la défunte mère de Granger Stellor, Grace, et son ami Robert Keller, croient que Granger a été capturé par des extraterrestres lors de cette nuit orageuse de novembre. Tout comme il l'avait dit, il pense qu'il se trouverait toujours dans ce vaisseau spatial extraterrestre, explorant la galaxie et étudiant l'astronautique extraterrestre à sa guise. Après tout, selon la théorie relative d'Einstein, le temps se dilate pour les objets voyageant près de la vitesse de la lumière. Peut-être qu'un jour, Granger Stellor, 35 ans, reviendra de son voyage de 42 mois pour trouver un Denken très différent de celui qu'il a quitté. Où les téléphones sont sans fil, les voitures roulent toutes seules et les habitants s'interrogent toujours sur le sort de ce génie excentrique qui a disparu par une nuit d'orage il y a bien longtemps. Les parents de Taylor, Jim et Grace, sont décédés depuis et la ferme appartient maintenant à la sœur de Taylor, Grace Reynolds. C'est sur cette même propriété que Taylor a construit l'objet le plus souvent associé à cette histoire, un vaisseau spatial, construit à partir de deux antennes paraboliques. Son ami Keller, maintenant âgé de 53 ans, a aidé Taylor à construire le vaisseau spatial. Granger était l'homme le plus intelligent, le plus terre-à-terre et le plus sage que j'ai jamais rencontré de ma vie, a déclaré Keller, qui, avec sa famille, a été parmi les derniers à voir Taylor en vie. La porte arrière de la maison de la famille Taylor est restée déverrouillée pendant des années, au cas où il devait la franchir à nouveau. Timide, avec une tendance à être socialement maladroit, Taylor pouvait être qualifié d'excentrique, par certains, mais cela ne voulait pas dire qu'il était malheureux. Comme je vous le disais, Granger a fait un arrêt au Bob Grill près de Duncan, avant de se rendre au Mont Prévost la nuit orageuse de sa disparition. Et les voisins ont rapporté avoir entendu un fort boom à peu près au moment où ils seraient arrivés à destination. Était-ce le bruit d'un ovni quittant l'atmosphère terrestre ou le bruit d'une camionnette détruite par la dynamite? Duncan a été assiégé par une tempête historiquement mauvaise cette nuit-là, a déclaré Keller, son ami, dont cela aurait facilement pu être le tonnerre. Taylor avait dit à Keller que les extraterrestres arriveraient probablement par mauvais temps, afin qu'ils puissent voyager à l'abri. Granger avait de l'expérience avec les explosifs, et le fait qu'il aurait eu de la dynamite en sa possession au moment de sa disparition ne devrait pas être pris en compte dans l'équation, a déclaré Keller. Il était trop intelligent pour avoir un accident sur la montagne. Il n'y a pas moyen. Il savait comment manipuler les explosifs. Il était essentiellement un expert. Donc en matière de sécurité, c'était sa priorité numéro 1. Sachant qu'il n'y a pas eu d'analyse complémentaire sur les eaux retrouvées, malheureusement, Granger est toujours porté disparu. Quand j'ai voulu vous proposer cette vidéo, j'ai pensé à la personne qui était derrière, c'est-à-dire le disparu. Pas à sa croyance au niveau des extraterrestres. Après, comme je le dis souvent, il faut respecter la croyance de chacun. J'espère qu'un jour, tout simplement, on saura la vérité sur la disparition de Granger. Je voulais aussi vous demander, si cela ne vous dérange pas, d'aller soutenir une chaîne. C'est la chaîne d'El Gil. C'est une personne qui commence sur YouTube et sincèrement, sa chaîne mérite d'être connue. Donc si cela ne vous dérange pas, de le soutenir en vous abonnant. Je vous remercie énormément. Et pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous.